Ce terrain est très convoité. moi Ce terrain est très convoité. Ce terrain est très convoité. لقد ترك لي مزرعته Il m'a légué sa ferme ردد معي هذه الجمله Il m'a légué sa ferme Il كانت هذه الارض ملكا للعائله منذ اجيال Ce terrain appartient à la famille depuis des générations. Ce terrain appartient à la famille depuis des générations. Ce terrain appartient à la famille depuis des générations. <t en -t en> les promoteurs ont acheté ces terres et construit cela. Les promoteurs ont acheté ces terres et construit cela. Les promoteurs ont acheté ces terres et construit cela. Ils veulent s'enrichir sur notre dos. Ils veulent s'enrichir sur notre dos. Ils veulent s'enrichir sur notre dos. لقد استثمرت تقريبا كل ما أملك في هذا المطعم. j'ai presque investi tout ce que je possède هذه العبارة بصوت مرتفع j'ai presque investi tout ce, que je possède dans ce dans ce restaurant. J'ai presque investi tout ce que je possède dans ce restaurant. C'est un associé discret. C'est un associé discret. C'est un associé discret. Ils profitent de leur statut pour échapper à la justice. Il moi cette Ils profitent de leur statut pour échapper à la justice. Ils profitent de leur statut pour échapper à la justice. Si vous aviez écouté, tout ça aurait pu être éviter si vous aviez écouté tout ça aurait pu être évité si vous aviez écouté tout ça aurait pu être évité <'hissati>

Je suis allé voir mon comptable. Je suis allé voir mon comptable. Je suis allé voir mon comptable. Cet héritage me stresse. Cet héritage me stresse. Cet héritage me stresse. Il y a ashira La procédure d'acquisition doit être légale. La procédure D'acquisition doit être légale. La procédure d'acquisition doit être légale. Anna Je ne possède pas de biens immobiliers. Je ne possède pas de biens immobiliers. Je ne possède pas de biens immobiliers. Et là, mes amis, on arrive à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous passons voir notre question du jour. إليكم سؤال حلقة اليوم. أنا لا أملك أي عقارات. فهل تتذكرون كيف نعبر عن هذه العبارة باللغة الفرنسية؟ أشكركم جزيل الشكر على متابعة الدرس للأخير وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء.